vous pouvez écouter, regarder, et vous écoutez, vous le gardez aussi tout le temps. Moi aussi, il suffit de taper le nom de David Abbassi, après le nom de la personne que vous voulez. Jacques Chirac, voilà. Pierre Morvois, allez. Robert Badinter, Daniel Gélin, il a dit, je me déplace jamais, David, sauf à la télé. Mais la radio, je viens. Il est venu à la radio. On était Tour de Seine à l'époque. Là-bas, il est venu. Pas une fois, deux fois, plusieurs fois. On l'avait interviewé, Daniel Gélin. Et le général Henri Paris, il était conseiller de Mitterrand et plusieurs ministres, Paul Culès, Pierre Joxe, qui est là encore, et Jean-Pierre Chevènement, qui est là, je le salue. Il était conseiller de tous ces gens-là quand il était ministre de l'Intérieur, de ministre de la Défense et tout ça. Plus de 40 fois, il est venu dans notre studio. Je le remercie, son âme et sa femme Ariane et ses enfants, surtout un enfant de deux, parce qu'il y a plusieurs enfants, je n'en ai pas eu, surtout Alexandre. Alexandre, fils du général Henri Paris, que j'ai eu le plaisir de le voir seulement une fois. Il avait demandé de Ariane, la femme du général Henri Paris, de me voir. Avec ma femme, dès qu'il me voit, il se met debout, Alexandre Paris, pendant 10 minutes, 15 minutes. Il commence à raconter ma vie et l'histoire de la radio ici maintenant. Et ma femme était étonnée. Ma femme, qui avait vu beaucoup de personnes perses, arabes, parce que vous savez, je parle arabe aussi, je fais des émissions d'arabe aussi. Je suis un des consultants de E24 News, mais en langue arabe. Et sur l'arabier aussi, je suis consultant, j'ai des émissions. Et en personne, plusieurs milliers. Mon émission hebdomadaire diffusée deux fois par semaine en personne dans le monde entier, son numéro de cette semaine, c'est 3514 émissions. Que tout est accessible sur l'Internet. Alors Alexandre, je le salue puisque c'est notre client, il est en train de nous écouter. Et le soir que j'ai vu, j'ai compris qu'il écoute toutes les émissions. Il est branché sur 95 radio ici maintenant. Permettez-moi de vous remercier toutes et tous pour cette fidélité que vous avez eue envers Didier Doblège, mon ami, et la radio ici et maintenant, mes amis. Et si vous permettez, je veux vous saluer et je veux vous quitter. Puisque je n'ai pas envie de parler ce soir encore des événements qui passent dans notre monde, mais quand même, permettez-moi de vous donner une information que personne ne l'a pas, que vous n'avez pas écouté, mais puisque vous étiez très intéressé à ce sujet, des sujets sacrés, tabous, politique internationale, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le 16 février, il y a déjà quelques jours, nous sommes le 26, ça commence, voilà, le 16, il y a déjà 10 jours, il y avait une conférence de sécurité internationale, du monde, à Munich, en Allemagne. Il y avait plusieurs intervenants, plusieurs noms, plusieurs manifestations, tatati, tatata, tatata. Là-bas, il y avait quelqu'un qui a participé, et que vous ne le connaissiez pas en grande partie parmi vous, mes chers amis, vous ne le connaissiez pas. Et il y avait peu de gens qui le connaissaient, qui étaient dans les informations. Et depuis 2020, j'ai commencé à le présenter, et surtout certaines informations qu'on a données, vous devez suivre et continuer à un par un pour tout savoir. C'est un philosophe qui également il fait beaucoup l'aide aux associations, soi-disant au mouvement mondial dans le domaine humanitaire. Et également,
c'est un homme de business, d'homme de finance, c'est un milliardaire. Moi-même, je vais vous dire une chose que vous soyez sûr et certain, que vous le savez pour la plupart de vous. En plus, c'est pas vous que vous le savez, tous les présidents de la République française depuis 5 ans, à ce jour, il le sait. Puisqu'une fois Didier sur l'antenne, il a dit quelque chose. Didier lui-même, il a dit quelque chose, puisqu'il était au courant. Il a voulu courrier. Patati patata, c'est une longue histoire. Projet de l'islam de France, qui existe en France, et charte républicaine, présenté pour... C'est la loi maintenant, charte républicaine, c'est la loi. Ça s'est été présenté par David Abbassi, et il y a plus de 20 ans. À l'époque, c'était Pierre Joxe, Premier ministre. On a fait un conseil de l'islam de France. C'est moi qui ai donné le nom, mais la réunion que Pierre Joxe a fait, le nom c'était différent. À la fin, j'ai dit ça serait mieux de me nommer l'islam de France. Et premier bouquin à ce sujet, l'islam de France, je l'ai publié à l'époque. Et après, l'islam de France était publié en, plusieurs fois. Et chaque fois, j'ai ajouté des choses. À la fin, je vais vous dire que charte républicaine qu'aujourd'hui vous pouvez trouver sur l'internet, c'est la loi en France. Ils sortent ce bouquin-là. Et après Pierre Joxe, c'est Sarkozy qui était intéressé, qui l'a pris en main, comme vous le savez. Il a fait des choses sur l'islam de France et tout ça. Et moi, toujours, j'étais derrière. À l'époque, on m'avait proposé encore, comme voit Femme et guerre en islam politique, que je vous en avais parlé, qui était préfacé par le sénateur Henri Caillavé, c'était une recherche que j'avais fait sous la demande d'Henri Caillavé. Sénateur Henri Caillavé, il m'a demandé, je fais la recherche, après c'est dans un bouquin qui est accessible, vous tapez, vous pouvez récupérer, vous pouvez l'avoir. Alors, Islam de France aussi, dès le départ, c'était ma proposition que j'ai donnée à l'État français, c'était Pierre Joxe à l'époque, et après, et c'est Nicolas Sarkozy, même avant qu'il devienne ministre de l'Intérieur, puisque j'avais donné à Chirac, et à lui aussi, il était intéressé, et après c'était élargi, enfin, quand il était président de la République, il a tenu, comme beaucoup d'autres personnes aussi, soin de cette idée islam de France, et surtout charte républicaine, etc. Je vais vous dire ça. À l'époque, et j'ai reçu un chèque d'un instant français de 10 000, je ne sais pas si c'était francs ou euros à l'époque, et le chèque demande Didier, j'ai mis dans l'enveloppe, et j'ai retourné pour cet instant-là. J'ai dit, je ne vends pas mes idées. C'est pour ça que quand je vous dis, vous êtes, si vous savez maintenant, tout le monde est contrôlé, Vous ne pouvez pas être contrôlé, même si vous êtes écrivain, un journaliste, pour la sécurité de notre pays. Moi, je suis tout à fait d'accord, 100% d'accord, je ne suis pas contre. La sécurité de notre pays, c'est grâce au contrôle permanent, et avec nouveau intelligence mondiale qui existe, artificielle on dit, ça aide la sécurité de notre pays et du monde, loin des attitudes de terroristes. Même à l'époque, on n'avait pas on était tour de scène, quelqu'un il vient sur l'antenne m'a menacé, Charles Pasqua lui-même. Tout ce que je veux dire, c'est la police, le service de renseignement, la patate, ils sont au courant, ils le savent, pas de problème. Hein? Mais pour que vous savez, la sécurité du pays est assurée pour vous, quoi et comment. Quand la personne m'a menacé qu'il va passer me tuer dans les années 90, le matin, 6 heures du matin, je sors de l'institut avec 7 personnes de mon équipe, parce qu'à l'époque j'avais une équipe de 7 personnes. Juste au pied de tour de Seine, dès qu'on sort de l'ascenseur, c'est le policier. Ils ont dit, monsieur Abbassi, vous étiez menacé, nous avons l'ordre du ministère, Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, de vous protéger. Et c'est Charles Pasqua lui-même, à l'époque, qui avait écouté l'émission, parce qu'il nous écoutait, c'est ça Didier Doplèche. C'est ça Didier Doplèche, radio ici et maintenant. Vous voyez, radio ici et maintenant, la force qu'il avait. Alors aujourd'hui, si on est moins nombreux que l'époque,
pour écouter la radio, puisque vous savez, il y a énormément de choses, Instagram, Facebook, chaque personne de n'importe où, il peut avoir un radio, même pas une télévision, qu'on le voit partout dans le monde. Oh. Moi-même, vous êtes au courant, mes amis qui sont avec moi sur Facebook ou sur Instagram, mes comptes officiels, parce qu'il y a plein de comptes à mon nom, sur mon nom Persia Vacharesta ou mon nom David Abassi, il y a énormément de comptes. Mais deux comptes officiels, c'est chacun environ 50 000 adhérents, abonnements, 50 000 followers, vous dites. Et 17 millions de vous, grâce à vous, chaque mois, seulement deux pages chez Instagram. C'est-à-dire la technologie d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Mais avec tout ça, mes chers amis, je vous promets qu'on va garder souvenir éternel de Didier Dupless, un homme qui a changé notre monde et notre époque en donnant la parole aux gens. En donnant la parole aux gens, mes chers amis. Et ce que je voulais vous dire, c'est la conférence de Mouni, le 16. Tout ça, je vous ai dit que c'est-à-dire, si je parle de quelqu'un, et tu sais, David Abassi n'a pas touché un centime de quelqu'un. Voilà, pour que vous soyez sûrs. Parce que quand on parle, on va vous donner une information, certains individus pensent, « Oh, lui, il a reçu tout ça, oh, il a reçu. » J'ai jamais touché un sou, même dans le cadre de l'association patati, patata de quelqu'un, même les associations que j'étais membre, toujours je les ai aidés avec des documents, les ressous, qu'on devait le faire. Parce que moi j'étais quelqu'un, et je suis quelqu'un, que je travaille légalement dans ma vie. J'ai quitté mon pays, puisque c'était des voleurs, des assassins en pouvoir. J'ai laissé plusieurs millions mes héritages, mes biens, et j'ai quitté l'Iran. Alors, ce n'est pas pour l'argent que je vends mon âme, exactement comme Didier Dupless. Comme Didier Dupless, s'il voulait devenir milliardaire, à l'époque Radio FM, il avait des valeurs, il pouvait devenir milliardaire. Mais pour lui, l'argent, c'était rien du tout. C'est rien du tout. Alors, le 16 février, le patron du monde, puisque actuellement, vous savez, on a voté aux Nations Unies, la sécurité, et contre la Russie, et pour aider l'Ukraine et tout ça, ça vous êtes au courant, avant-hier, c'est hier. Et seulement parmi moins de 200 pays qui nous avons aux Nations Unies qui vont voter, seulement 30 pays, ils ont donné leur avis comme abstention. C'est-à-dire environ 150 personnes étaient d'accord pour shooter Poutine et aider l'Ukraine. Puisque la guerre d'Ukraine et l'attaque de Poutine vers l'Ukraine, c'est un danger mondial, puisque le but de Poutine, c'est de ramener et élargir la guerre à une guerre mondiale pour élargir l'empire de la Russie. C'est pour élargir l'empire de la Russie qu'il a attaqué l'Ukraine. Alors le monde libre, plus d'environ 150 personnes, ils ont voté quelque chose, le 30 abstention. Les 30, pourquoi abstention? Puisqu'ils travaillent en même temps avec Poutine, l'Ukraine, la Russie, et qu'en même temps avec l'Occident. Voilà. Mais le patron du monde, qui était présent là-bas, il était finaliste, qui était présent là-bas, que moi-même j'étais invité, j'étais parmi les invités. Mais on n'était pas sûr que le patron de ce monde, il va être présent ou non. J'ai dit alors, il y a une possibilité de regarder par vidéoconférence. Et on était seulement environ 400 personnes dans le monde quand on avait le plaisir d'être en direct avec cette conférence, qui était resté caché, aucun média n'a pas parlé, sur TF1, patati, patati, personne n'a pas parlé, parce que ce qui est réservé dans le monde pour l'élite, élite du monde, on ne divulgue pas dans les médias, tout ça, parce que les gens ne vont pas bien comprendre, hein. C'est la vérité des choses, moi-même,
j'ai pour le concept depuis des années quand je suis en train de parler. Vous voyez, toutes les choses, vous ne pouvez pas dire à tout le monde. Ils n'ont pas la capacité et de l'accepter. Toujours, il y aura un rejet ou un patati patata. Alors, on a regardé, mais cette personne, puisqu'il est âgé, je crois qu'après ça c'est mon ami, à mon avis, hein, mais peut-être c'était une sorte d'adieu avec le monde, avec l'école, avec le pouvoir qu'il a créé dans le monde, parce que la plupart des pouvoirs que vous voyez dans le monde, c'est son élève de son école, qu'il soit Biden et qu'il soit soi-disant les dirigeants, jeunes dirigeants du Canada, même en Europe, la jeunesse qui est entrée dans le monde politique, c'était l'école de ce patron philosophe du monde, puisqu'il a créé des universités, et des fondations. La liste de ces fondations, nous l'avons diffusée sur cette antenne 4-5 fois. Et Didier, il me disait, David, ça tombe de côté et que tous les animateurs le diffusent. Mais vous savez, Didier, il n'avait pas l'habitude d'imposer ses idées, même à ses animateurs. Peut-être vous n'avez pas trop entendu, mais certaines choses que vous avez bien entendues, c'était Fin du Monde et d'autres émissions très intéressantes, que Black Rock, Didier, sur l'ordre de Didier, ça a été diffusé plusieurs fois sur l'antenne qu'on diffuse. Ce sont des secrets de notre monde que vous les entendez. Alors, le patron de nous monde, de nouveau monde, il a dit, nous devons écraser l'empire de la Russie, c'était en même temps écraser Saddam Hussein de notre époque, Poutine, puisque c'est Saddam de notre époque. Et sinon, c'est l'Occident qui va être en danger avec une guerre mondiale. Imaginez-vous que ce monsieur-là, ce philosophe, tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, 98% il a réussi. Par exemple, l'histoire du président Donald Trump. Deux ans, beaucoup de vous, vos auditeurs et auditrices, vous êtes au courant, deux ans avant que son mandat sera terminé, j'ai dit qu'il a décidé, le patron du monde, que certains le nomment Dieu, certains le nomment Diable. Il a les deux en même temps. Alors, il avait fait une conférence à l'époque en disant que moi, j'investis plusieurs milliards de dollars. Il a dit 1 milliard, j'ai investi là, encore jusqu'à 2 milliards de dollars, pour ne pas laisser Donald Trump regagne deuxième fois le mandat de président des États-Unis. Et il a gagné. Même, vous avez entendu qu'est-ce qu'il a fait Trump, son équipe, manifestation, attaque aux maisons blanches, tout ça, mais il a gagné, c'est Biden qui l'a pris, la place. Il est Biden, voilà Biden. Ouais. Alors, pour ça, des choses qu'il prend, des décisions à ce sujet, ça réussit, mais malheureusement, aujourd'hui, cette camp de méchants du monde, c'est un peu difficile et dur, puisque ce n'est pas seulement la Russie, il y a la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, qui est à côté de Poutine dans cette attaque à Ukraine, vous l'avez entendu, mais avant que vous allez entendre le drone des ayatollahs, avant ça, David, il vous a donné des informations que dans l'archive vous pouvez écouter. Dès le départ, je vous ai dit que dans cette attaque à Ukraine, la République islamique d'Iran est présente, et beaucoup d'autres pays, et surtout, j'ai fait une émission en parlant de dollars comme de papier, et comme quoi la Chine est une grande partie du monde, surtout même les pays arabes, qui sont en conflit peut-être avec les autres, mais ils sont dans ce camp-là parce qu'ils connaissent la force de Poutine, surtout qu'il règne sur plusieurs pays musulmans, qui se termine avec 7 ans, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan,
tac, tac, tac. Tous ces pays-là s'étendent, ça veut dire Provence en persan, tous ces pays-là étaient pays perses. Et actuellement, ils sont persophones, ils parlent perse. Tadjikistan, tout le monde parle perse. Vous voyez, Ouzbékistan, Kazakhstan, ils ont leur langue d'origine, de Kazakh, d'Ouzbék. Mais là-dedans, il y a énormément de mots persans, et la Perse, ils le comprennent. Ils sont persophones. Alors, tous ces pays-là qui sont, soi-disant, ils étaient sous la règne du communisme et ils restaient musulmans, tout ça, c'est, vous entendez seulement le Tchétchène et le patron Ramazanov qui fait la guerre. Mais les autres, dans d'autres méthodes, comme les Européens, avec leur méthode, ils aident par plusieurs milliards de dollars en Ukraine. De l'autre côté aussi, il est. De toute façon, le danger, c'est ça. La troisième guerre mondiale, si on ne veut pas qu'elle éclate, c'est il faut fondre. Il faut que l'empire de la Russie fonde. Et deuxième point qui était intéressant dans la conférence de Munich avec la présence de cette personne, c'était la question de climat. Le climat que vous voyez depuis des années, on en parle, c'est un investissement de cette personne-là, patron du monde. Vous allez dire, on va écouter, c'est aussi ce que je vais vous dire, patron du monde, quand je dis, c'est une seule personne, peut-être qu'il vient dans votre tête, mais lui, il n'est pas seul, il faut savoir ça. Hein? Lui, avec toute l'intelligence artificielle de notre époque, qui comprennent la totalité des choses que vous voyez autour de vous, et j'ai déjà parlé au sujet de concurrence qu'il y a entre eux, par exemple Elon Musk il est contre Bill Gates, et Bill Gates il est jaloux de Jeff Bezos, et tout ça si vous suivez bien les médias, les informations américaines, et surtout sur le finance de tous ces mouvements-là, et écouter certaines émissions que Didier Deplège il avait sélectionnées comme BlackRock, que vous étiez en train d'écouter plusieurs fois sur cette antenne, vous allez comprendre beaucoup de choses que moi je ne peux pas le dire dans le peu de temps que nous avons ici et maintenant, ce soir, mes chers amis. Voilà. Mais si vous permettez, je veux vous laisser en vous souhaitant bonne nuit, et bon dimanche. Mais notez bien ça, s'il vous plaît. Nous sommes toutes et tous ensemble pour garder le souvenir de Didier Deplège. Je vous demande même pas un euro. L'entrée aussi, comme Morgan vous a dit, le 21 juin, c'est gratuit. Moi, toujours, j'ai donné pour la radio et pour... Et Didier Deplège, vous le savez, le 21 juin, on va fêter ça ensemble. Si vous êtes musicien, si vous êtes chanteur, si vous êtes magicien, je ne sais pas quoi, n'oubliez pas que c'est la fête le 21 juin. Vous devez venir avec votre instrument musical ou avec votre microphone si vous voulez chanter. On va le faire vivre avec l'amitié. Et souvenir de mon ami, votre ami Didier Deplège, un ami qui était ami avec le monde entier, un ami qui nous a appris qu'est-ce que ça veut dire liberté, surtout liberté de la parole et respect de l'autre. Et notez bien ça que David Abbasi n'est pas contre les musulmans. J'aime les musulmans, je suis critique envers l'islam politique. Ce que Henri Caillavé m'a commandé, que j'ai écrit, et ce que j'ai environ 30 livres seulement en français sur les sujets variés, et que là-dedans vous devez lire pour savoir si on critique un parti politique qui est 100% politique, aucun rapport avec les religions. L'homme, il est libre d'avoir, de choisir la religion qu'il veut, d'accord? Je ne suis pas contre, mais je suis contre la politisation de n'importe quelle religion. Et de l'autre côté, une chose qui est très importante, vous devez noter, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. Le Dieu, je sais que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, hein, ça c'est pas grave, mais ça je parle pour les gens qui croient en Dieu, voyez? Et n'importe quoi vous allez nommer selon votre religion. Le Dieu, il est différent
avec tous les prophètes et tous les gens qui parlent au nom de la religion. C'est-à-dire tous les porte-parole de toutes les religions, c'est des charlatans. Vous avez peu de gens qui deviennent comme pape pour démissionner une fois qu'il ne peut pas travailler. Il ne peut plus travailler, il démissionne, il dit « je suis malade ». L'autre pape, il vient, pape François, vous le connaissez, moi je l'aime bien ce monsieur-là. Il vient, il vous dit énormément de vérité sur la croyance que personne ne vous a pas dit jusqu'à maintenant. Ici et maintenant, il vous éclaire. Il marche avec le monde moderne, intelligence artificielle, il marche avec ça. Alors c'est pour ça, des gens comme ça sont très peu. Mais vous avez des gens en Afghanistan, en Iran, dans tous les pays musulmans qui massacrent chaque jour un homme de l'islam. Si David Abbas il critique l'islam politique, il critique ces assassins-là. Et moi je suis sûr et certain que personne ne veut pas être d'accord avec ces assassins, sauf les malades menteurs. Pour Didier, je vous donne un exemple. De temps en temps, il voulait engager quelqu'un, il disait David, ça, tu sais. Parce que, autre chose de ce que je vais vous dire pour que vous soyez au courant, quand vous êtes l'homme de médias, de n'importe quel média, journaliste, rédacteur en chef, dans un journal, dans un site internet, dans radio, dans télé, tatati, vous avez les facilités de l'État français, en plein de sécurité, pour voir si cette personne que vous voulez ramener chez vous, s'il est sourd ou non. Hein. Ce contact, ça existe. Moi, quand j'avais mes gardes au corps de ministère, même il me disait, si quelqu'un, toi à la maison, nous sommes devant ta maison avec la voiture, et si tu veux que... Pour eux, c'était obligé, mais moi j'avais dit, moi je vous dis, oh non. Ou dans mon bureau, il venait, il fouillait ces gens-là, il prenait la carte d'identité, il vérifiait, parce que c'est qui cette personne-là? Dans notre association, avec Didier Duplège, on avait ça, trois fois c'était arrivé. Qu'il m'a consulté au sujet des gens, on fouillait, il dit, cette personne, c'est l'ancien auditeur de la radio, que on m'avait informé, que j'ai fait de recherche, c'est vrai, qui était islamiste. Qu'il défendait, à l'époque, vous savez, les gens étaient tellement courageux, les islamistes, que maintenant ils ont peur, puisqu'ils ont, ils savent que l'État, il est fort, que l'État laïque français, il est fort, maintenant, et ils n'ont pas les droits qu'ils avaient avant, contrôle des imams, charte républicaine, voilà, c'est tout, vous devez lire la charte républicaine qu'on a mis en bas. Et il m'a dit, alors, je dis, pourquoi moi, tu me dis ça, il a dit, parce que je m'engageais à cette personne-là, j'ai refusé. Bon, je dis, non, Didier, il faut le prendre, même si cette personne, il a des idées qui peuvent être contre moi, mais tu peux l'engager, puisque pour toi, il va faire, par exemple, un conducteur. Oh, pour toi, il va nettoyer ton bureau, il va travailler. Et ces gens-là, pour travailler, ils ne vont pas trahir quand ils travaillent. Il va travailler comme il faut. Oh, vous voyez, et lui a insisté, et moi j'ai insisté. À la fin, j'ai dit, c'est temps de le voir. Je crois, oui, non. De toute façon, on a parlé avec lui. Longtemps, j'ai dit, écoute, Didier, puisque tu m'as exposé le problème, moi, je te dis, alors, si tu as respect pour moi, pour m'exposer cette question, moi, je te dis, de mon point de vue, c'est pas grave. Parce que beaucoup de gens aussi qu'à l'époque, on discutait avec eux, maintenant, ils sont devenus laïcs. Et beaucoup de gens ils sont passés aux Champs-Élysées, j'ai vu les vous, on a parlé ensemble, tatati, tatata, les hommes aussi ont changé, mon cher Didier. C'est-à-dire, ça aussi, c'est Didier Duplej. L'homme de l'amitié, l'homme de fidélité, l'homme laïque, et l'homme humain. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, David, j'étais sourd. J'ai parié avec moi-même que si je t'appelle et je t'expose ça, tu as insisté, pas accepté, insisté de prendre cette personne-là. Il l'a pris. Avec cette parole de mon ami Didier Duplej, je vous dis au revoir. Mais notez bien ça.
06 18 18 05 99. 06 18 18 05 99. 21 juin, nous allons fêter 43e anniversaire de la création de la radio ici et maintenant, en même temps qu'on veut rendre hommage aux grandeurs de notre maître Lumière et patron de la radio ici maintenant, Didier Dobleche. Je vous embrasse toutes et tous. Soyez l'homme de la lumière, l'homme de la sagesse. Quand on dit l'homme, vous savez que moi je ne crois pas en masculin féminin, hein. Je ne crois jamais, et j'ai jamais cru en masculin féminin. Je suis contre toutes les langues qui séparent femme avec l'homme. En arabe, on dit « hier », « hoa », ici on dit « elle », « il », après « la », « l'eau », je ne suis pas d'accord avec ça, hein. C'est la égalité, quand on dit égalité, l'homme et femme, femme et l'homme, en plus, plupart des fois, je vous confie un secret de mon cœur, plupart des fois, les femmes sont plus courageuses, plus intelligentes que nous,